Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas dans Brookhaven. Je vous fais juste l'introduction ici, les amis, puisqu'aujourd'hui, je vais vous révéler les secrets de mes dernières vidéos. Vous savez, celles dans lesquelles je fais de la peinture, mais également le dernier épisode de la Star de Brookhaven, au sujet duquel vous m'avez posé énormément de questions, les amis, sur les jeux dans lesquels j'ai fait les danses, mais également sur ma tenue. C'est la raison pour laquelle je la porte justement aujourd'hui. Donc, les amis, dans cette vidéo, je vais répondre à un maximum des questions que vous m'avez posées récemment. Vous le savez, j'essaie de lire un maximum de vos commentaires et j'ai vu que ces derniers temps, vous étiez très très nombreux à me poser les mêmes questions. Maeva, dans quel jeu est-ce que tu filmes tes shorts dans lesquels tu fais de la peinture? Comment est-ce que tu as fait la tenue de la Star de Brookhaven dans le dernier épisode? Dans quel jeu est-ce que tu as filmé les danses, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous répondre à toutes ces questions. Ce sera beaucoup plus simple, les amis, que de vous répondre à chaque fois en commentaire parce que malheureusement, tout le monde ne voit pas mes réponses. Là au moins vous aurez tout dans la même vidéo et au moins je pourrai vous expliquer ça beaucoup plus longuement qu'en commentaire ou que dans un short. Donc c'est parti les amis, on va commencer par le premier sujet qui est le sujet de mes shorts dans lesquels je fais des peintures. J'ai peint notamment Mercredi Adams et Enid Sinclair. La chose et le prochain short qui arrive, c'est un short dans lequel je fais la peinture de Morticia Adams. J'ai même peint le logo de ma chaîne. D'ailleurs un immense merci à tous les amis pour vos gentils messages, vos encouragements, etc. Ça fait hyper plaisir. Donc voici le fameux jeu dans lequel je filme mes vidéos, mes shorts plutôt, de peinture. Il s'appelle Spray Paint, les amis, dans Roblox, bien sûr. Donc il y a quand même 443 millions de visites depuis sa création. Il a été créé par Sheriff Taco. Alors moi, personnellement, les amis, je me suis créé un serveur privé dans ce jeu. Donc voilà, comme ça, vous le savez. Et m'y voici, vous pouvez voir certains de mes dessins juste derrière moi, les amis. Alors malheureusement, lorsque j'ai découvert ce jeu, je ne savais pas qu'on pouvait sauvegarder nos dessins. Juste ici sur le petit rectangle bleu, je m'en suis rendu compte un petit peu tardivement les amis, du coup je n'ai pas toutes mes œuvres qui sont sauvegardées, j'ai juste les derniers dessins que j'ai fait, mais ce n'est pas grave, maintenant en tout cas je les sauvegarde et sachez-le vous aussi, vous pouvez sauvegarder vos chefs-d'œuvre sur votre serveur privé. Donc on va se mettre juste ici les amis pour que je vous montre exactement comment cela fonctionne, parce que c'est pareil, vous me posez énormément de questions sur comment dessiner, notamment comment faire plusieurs couches de dessin sans que les couleurs se mélangent, etc. Donc je vais tout vous expliquer dans les détails. Alors pour commencer, il faut bien sûr prendre la petite bombe de peinture juste ici pour pouvoir dessiner. Vous avez alors ce cercle chromatique qui s'affiche grâce auquel vous avez des possibilités quasiment infinies, les amis, de choix de couleurs. Ça, c'est hyper pratique. On va faire un exemple avec un visage, les amis. Donc vous allez choisir une couleur de visage. Les nuances de beige sont juste là, souvent entre le rouge et le orange. Vous allez avoir cette barre verticale qui va s'afficher, les amis, et tout au long de la barre, vous pouvez choisir l'intensité de la couleur. Là, par exemple, sur les tons de beige, vous pouvez choisir une couleur marron, une couleur plus foncée ou du beige clair pour faire votre visage. Voilà, ça permet vraiment de varier les teintes de peau et de coller au plus près à la teinte de peau de la personne que vous pouvez dessiner. Et vous avez à chaque fois en bas de chaque barre de couleur, la couleur noire. Mais à chaque fois, les amis, il faut bien cliquer sur le petit cercle pour sélectionner la couleur en question. Donc là, les amis, vous le voyez, si je ne fais rien, lorsque je crée une première couche de couleur et qu'après je repasse dessus avec une autre couleur, et bien les couleurs se mélangent et ça ne fait pas joli, hein, vous ne pouvez rien faire avec ça. Du coup les amis, pour corriger cela, il faut se servir des commandes que l'on a juste en bas à droite avec les layers. Layer veut dire couche et je vais vous montrer comment utiliser cela. Donc on va dessiner un visage quelconque les amis, je ne vais pas m'appliquer, hein. Sachez que pour faire mes shorts en général, pour un dessin je mets entre 1h30 et 2h. Oui c'est hyper long, en tout cas moi les amis je dessine très lentement, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas dessinatrice comme certains me l'ont dit. C'est vrai que j'adore dessiner, mais par exemple je n'ai jamais pris de cours de dessin, hein, donc voilà, c'est du freestyle. Alors voilà les amis, par exemple j'essaie de dessiner un visage avec du beige. Donc là vous le voyez, je suis sur le layer numéro 1, la couche numéro 1. Ensuite si je veux dessiner par dessus sans que cela se mélange, il faut sélectionner une deuxième couche, donc layer 2, et vous sélectionnez une autre couleur, le noir par exemple. Voilà, ça c'est fait. Par contre vous le voyez, là mon trait est beaucoup trop épais, je vais vous montrer justement comment diminuer la taille
taille du trait, c'est juste ici dans la partie taille. Donc vous diminuez, oui, il existe également un pass pour augmenter la taille du trait beaucoup plus, mais moi je ne l'ai pas acheté les amis. Pour 100 Robux, je n'en ai pas eu besoin pour l'instant. Vous avez également cette éponge qui vous sert à effacer, à gommer, et pareil, là vous l'avez vu, hein, la taille de l'éponge était énorme. Vous pouvez du coup bien sûr également diminuer ou augmenter la taille de votre éponge sur la rubrique taille. Donc vous le voyez, pour l'instant j'ai fait deux couches, la première couche de beige, la deuxième couche avec du noir pour les sourcils et l'œil. Et si par exemple vous voulez colorer l'intérieur de l'œil, de l'iris, eh bien il va falloir sélectionner un layer 3, donc une troisième couche pour que les couleurs ne se mélangent pas, et voici ce que ça donne les amis. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais choisir du blanc, et pour appliquer le blanc je vais sélectionner une quatrième couche pour encore une fois que les couleurs ne se mélangent pas, et voici ce que l'on obtient. On a la superposition de couleurs que l'on veut obtenir pour dessiner cet œil. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications les amis, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je vous réexpliquerai si vous le voulez. Donc je vous remontre pour les tailles des traits, en fait c'est ici comme je vous l'avais dit, et vous pouvez également modifier l'opacité. L'opacité c'est le degré de transparence de votre couleur, donc vous le voyez, plus vous diminuez votre opacité, plus la couleur sera transparente. Là je suis à 0,15, et ça peut être pratique pour ajouter quelques couleurs par exemple au niveau des joues. Vous le voyez là, ça fait une petite joue rose, mais c'est discret, ce n'est pas comme si j'avais gardé une opacité plus importante ou le trait aurait été beaucoup plus foncé. Donc voilà les amis pour l'option d'opacité, de taille, les couches successives, etc. On va effacer tout ça avec mon éponge que je mets à la taille maximale, ça va beaucoup plus vite. Et l'avantage de pouvoir vraiment diminuer également la taille de l'éponge, c'est que plus la taille de l'éponge sera petite, plus forcément vous pourrez effacer avec plus de précision. Donc voilà les amis. Et autre petit détail, si vous voulez effacer quelque chose les amis, vous le voyez là pour l'instant ça ne marche pas, parce qu'il faut s'assurer d'être sur la bonne couche. J'étais sur la couche 4 je pense, alors que ces gribouillis de départ je les avais fait sur la couche numéro 1, et voilà, lorsque je resélectionne la couche numéro 1, et eh bien je peux les effacer. Donc voilà les amis pour ces premières explications concernant ce jeu spray paint que moi j'aime beaucoup. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire les amis si vous voulez que je continue à faire des shorts dessin, moi ça me fait hyper plaisir, et quel personnage vous voulez que je dessine, je ferai de mon mieux en tout cas. Alors j'ai oublié de vous préciser autre chose les amis, c'est que vous avez un nombre de couches limité, je ne sais plus si c'est 8 ou 10, je ne sais plus les amis, parce que moi j'ai acheté un pass qui me permet d'avoir beaucoup plus de couches. J'ai payé le pass je crois 100 Robux, et du coup je peux superposer 13, 14, 15, 20 couches je crois, mais sachez que sans pass je crois que vous pouvez arriver jusqu'à 10 au maximum. Alors en parlant de pass justement, vous en avez d'autres les amis en bas à gauche. Il y a pour commencer le pass qui permet de peindre en néon, celui-ci il coûte 150 Robux, vous le voyez, je ne l'ai pas encore acheté parce que pour l'instant je n'en ai pas eu l'utilité, mais peut-être que je le ferai. Il y a ensuite la peinture arc-en-ciel pour 100 Robux et la peinture chromée pour 100 Robux. Je pense que je finirai par tous les acheter les amis, surtout si je continue à peindre dans spray paint. Ensuite vous avez cette petite option avec le petit peigne qui est hyper pratique et qui vous permet de tracer des lignes droites, donc voilà, ça peut être super utile. Donc voilà les amis pour les options basiques de ce jeu, sachant que je ne suis pas une experte, j'ai commencé à peindre il y a quelques semaines, j'avais vu des TikTok dans ce jeu et je m'étais dit il faut absolument que j'essaie, donc je me suis lancée et ça vous a beaucoup plu. Encore un immense merci à tous les amis pour votre soutien et vos encouragements. On passe à présent maintenant au deuxième sujet de cette vidéo les amis, mes secrets concernant la star de Brookhaven, et on va tout d'abord commencer par le fameux skin de la danse. C'est parti, je vais vous donner toutes les références de ce que je porte, vous avez été très nombreux à me les demander, sachant les amis que cela coûte des Robux, ce n'est pas un skin gratuit, mais je vous donne quand même les informations avant de passer au jeu de danse que je vais vous montrer. Alors nous avons tout d'abord ce collier Heart of Glass Pearls Pink pour 40 Robux, si vous voulez les retrouver n'hésitez pas juste à taper les noms de ces articles dans le moteur de recherche dans le catalogue Roblox. Ensuite nous avons ce pink short top pour 50 Robux, alors celui-ci dans mon inventaire il n'est pas super beau, ici dans l'éditeur d'avatar il est beaucoup plus beau, regardez ça les amis, il est pailleté, il est juste magnifique celui-ci, je l'adore. Ensuite pour ce qui est du pantalon, il vous a beaucoup plu, c'est le Tactical Techwear pour 60 Robux, il est hyper beau les amis, je l'adore, c'est pareil celui-ci, je l'aime beaucoup. On continue avec les cheveux, et ce que je portais ce sont ceux-là, les Cloudy Braids in Pink pour 90 Robux, ils sont super beaux, hyper épais, etc. J'adore la coupe avec les deux petites tresses, ça change un petit peu. On va continuer les amis justement avec les accessoires de tête, et je portais ce trendy visor
j'adore cette petite visière pour 70 Robux, rose hyper cute. Celle-ci aussi, j'ai beaucoup aimé le style que ça donnait à la tenue. Et pour finir, j'avais également cette Aura, mais je ne sais pas si elle est encore en vente. Oui, non les amis, elle n'est plus en vente. Hors vente, je ne sais pas du tout comment je l'avais eue. Je crois que je l'avais eue gratuitement, les amis, je n'en suis pas certaine. Dites-moi si vous l'avez vue dans l'une de mes vidéos ou si je l'ai achetée et qu'ensuite elle n'était plus disponible. Franchement, je ne m'en rappelle plus du tout, les amis. Et pour finir, j'ai failli oublier, j'ai également porté ce petit shirt avec ces petites chaussures, tout simplement parce que je n'avais pas de chaussures. Et du coup, je me suis dit qu'en portant ça, eh bien, ça irait parfaitement. Et c'est la raison pour laquelle on voit du jean dépasser de mon pantalon. Mais je me suis dit que ce n'était pas grave, que ça faisait quand même joli. Donc voici le résultat, les amis. J'aime beaucoup trop ce look et je sais que vous aussi, ça vous a plu. Donc c'est parti pour la danse. Let's dance. Le premier jeu que vous avez vu, les amis, dans ma vidéo, le dernier épisode de The Dance, c'est celui-ci, Aura Dance Moms Studio. Donc c'est ici que j'étais avec Mila et Suzy. Vous le voyez, il y a toujours des joueurs qui sont là, qui font la queue pour organiser des équipes et s'affronter. Je trouve ça hyper cool, les amis. J'adore ce jeu. Lorsque moi j'avais filmé, il y avait encore plus de monde que ça. C'était beaucoup trop génial. Juste en face, vous avez l'endroit où j'étais venue pour m'inscrire. Donc il y a un petit bureau. Et en face, il y a ces vestiaires que vous avez également probablement vu si vous avez regardé mon roleplay. Les amis, regardez mon haut comme il brille. C'est juste trop beau. Donc là, nous avons le bus grâce auquel on était arrivé ici avec Mila et Suzy. Et juste en face, il y a la scène avec les sièges, etc. Donc vous le voyez, il y a déjà des personnes qui dansent. Vous pouvez y accéder sur le côté via les petites marches. Et voilà, ensuite les amis, c'est à vous de jouer. Là, vous avez accès au niveau de l'inventaire à plein de danses différentes, hein. Vous pouvez vraiment faire de super chorégraphies. Il y a de tous les styles. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça, les amis. C'est vrai que ce jeu, il est hyper cool. Moi, je l'ai découvert tout simplement lorsque j'ai voulu filmer le dernier épisode de la Star de Brookhaven. J'ai recherché dans tout Roblox, les amis, des jeux de danse qui pouvaient me plaire. Et j'ai trouvé celui-ci. Donc voilà, je l'ai utilisé pour ma vidéo. Et ensuite, il y a eu un autre jeu qui est celui-ci, les amis. Le TTD3 pour TikTok Dance 3. Et celui-ci, les amis, c'est pareil. Il vous a beaucoup plu. C'est celui que j'ai utilisé pour la danse finale, mais également pour le short que je vous ai fait hier. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vous le mettrai également en commentaire épinglé. Donc là, lorsque vous arrivez dans le jeu, vous êtes à ce niveau-là. Vous pouvez déjà danser à cet endroit, les amis, puisque là, sur la gauche de votre écran, vous avez un large choix de danse et vous pouvez choisir celle qui vous plaît. Je vous laisserai visiter la map, les amis. Regardez ça, c'est hyper joli. Il y a vraiment plein d'endroits à visiter. Et ici, c'est pareil. Il y a souvent plein de monde qui danse, etc. L'ambiance est géniale. Alors par contre, moi, pour filmer la scène de mon roleplay, j'étais rentrée ici dans le club. Et voilà, les amis, vous vous retrouvez sur ce sol en bleu et rose turquoise. Et sans faire exprès, les amis, ce sont exactement les mêmes couleurs que ma tenue. Vraiment, le hasard fait bien les choses. Donc une fois que vous êtes là, eh bien, vous pouvez danser. Et la danse qui vous a beaucoup plu, les amis, c'est celle-ci, la Get Sturdy. Donc voilà, c'est la danse sur laquelle vous devez cliquer si vous voulez reproduire ces pas. Vous avez été également très nombreux à me poser cette question. C'est la danse Get Sturdy. Je sais que pour faire des TikTok également, c'est génial. Donc voilà, n'hésitez pas à aller l'utiliser. Et regardez, les amis, la quantité de pas de danse que vous avez, le choix qu'il y a sur le côté, c'est juste énorme. Il y a bien sûr même la danse de Wednesday de mercredi. Celle-ci également, je l'avais utilisée dans mon roleplay, mais il y a encore plein de choix. Là, on a carrément une voiture. Bon, en tout cas, les amis, voilà, je pense que je vous ai tout montré. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Je ferai en sorte d'y répondre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, les amis, surtout qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cela a été le cas et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous. Bye les amis.